Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui c'est pas un rituel, hein. C'est un rituel de beauté. Homme ou femme, même un homme peut l'appliquer. Tout d'abord, je vous conseille de vous laver les mains avec du savon de Marseille, pas du gel pour les mains. Tout d'abord, frottez les ongles bien avec une brosse, ok. Après, bien rincer. Que ça soit savon de Marseille ou Dove. Dove, franchement, il est magnifique. Le Dove aussi. C'est-à-dire bien frotter. D'accord. Et après, tu as séché tes mains. Tu vas prendre un demi-citron ou une petite tranche comme ça. Voilà, un quart. Et tu vas frotter toutes tes mains, tes ongles. Tu peux même jusqu'au coude. Ok. Ça marche aussi pour les pieds jusqu'aux genoux. Il n'y a aucun souci, même les genoux. Les pieds, les genoux, vous allez voir les veines là qui sortent. Là, tu ne vas même pas voir tes veines. Ça va te lisser la peau, d'accord? Ensuite, tu refais la deuxième main, tu frottes bien avec le citron. Tu attends un petit peu quand même, 3-4 minutes jusqu'à 5 minutes, que le citron, le jus, il agit sur tes mains. Après, tu rinces tes mains vite fait et après tu prends l'origan en poudre ou si tu as des branches d'origan tu peux le passer au robot, voilà, ou si tu as un mortier c'est encore mieux, tac tac tac, d'accord, mais il faut que ce soit moulu. On va prendre un bol propre, on va mettre une cuillère à soupe. Si tu fais que pour les mains, tu fais qu'une cuillère à soupe. Si tu fais pour les pieds et les mains, eh ben tu prends, tout dépend. C'est toi qui, il n'y a pas de mesure, c'est toi qui mélange. Il ne faut pas que le mélange soit liquide. D'accord? Et tu vas mettre une cuillère à soupe pour les mains d'origan. Une cuillère à soupe d'origan. Tu vas mettre un peu de jus de citron dans l'origan et tu mélanges un petit peu. T'attends 5-10 minutes que ce mélange agit et après, ce que tu vas faire, tu vas venir avec le mélange que tu as fait, l'origan et le citron et frotte tes mains. Frotte tes mains, tu vas voir, tu vas même pas voir les tes veines. Même les plis sur tes mains vont disparaître. Et tu peux le faire pour tes genoux, coudes, genoux, pieds. Les pieds partout, en dessous, au-dessus et tout. Et tu frottes, frottes, tu fais un gommage. Mais bien, il faut bien frotter. Il ne faut pas frotter juste comme ça. Non, au moins 5 minutes de frottage. 3, 4, 5 minutes. Et après, tu rinces tes mains. Ma parole, tes mains, ils vont te dire merci. Tu t'occupes bien de nous. Ma parole, les filles, même les mecs, je vous le jure que les mains seront comme ça. Vous n'allez pas regretter. Citron et origan, savon de Marseille, comme je vous ai dit, pour bien laver les mains avant, ou Dove, c'est les meilleurs, Dove ou savon de Marseille. Je vous dis à très bientôt.